Salut à toutes et à tous, c'est Darksider et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops. Donc cette fois-ci je ne suis pas en live, je suis en zombie sur la map Nagderundtoten. Excusez-moi si j'ai un accent germanique à tailler au couteau. Alors pourquoi je vous fais une vidéo sur cette map? Tout simplement parce que je regardais une vidéo sur internet du roi des vilains, donc je pense que vous voyez tous de qui je parle. Je veux parler bien sûr d'Inglorious Jojo. Et il nous montrait comme ça un petit gameplay sur cette map. Et il nous proposait de lui donner quelques conseils pour ceux qui avaient des matériels d'enregistrement. Il nous proposait de l'aider, de lui donner quelques conseils sur cette map pour pouvoir faire un maximum de points et tenir le plus longtemps possible. Alors, moi ce que je conseille pour l'instant, moi je fais ça dans toutes les maps de zombies. De cette manche jusqu'à la fin de la manche 3, donc vous ferez un rampant. Vous restez dans la salle, vous mettez 4 balles plus un coup de couteau, c'est ce qui permet de faire un maximum de points. Vous laissez rentrer les zombies comme ça, vous faites des points en les tuant, puis en refermant les barrières. Et en plus, si vous lâchez à tout, parce que si vous les tuez à l'extérieur, de l'autre côté des barrières, et ben ils vous lâchent pas de points, et puis même si vous en lâchez, vous pourriez pas aller les chercher. Hop là. Toujours faire très attention parce que vous savez que sur cette map on n'a pas mastodonte ni passe-passe, on n'a rien du tout, on a juste cet atout. Mais bon, il n'y a pas grande utilité parce que de toute façon vous mourrez avant d'utiliser les trois armes au moins. À moins que vous jouiez en plusieurs, mais en solo, à moins d'être un expert du zombie, vous tiendrez pas longtemps sur cette map. Hein. Même moi, je pense que si j'arrive à faire une petite manche 10, voire 11, je serai assez fier de moi parce que je suis pas un expert du zombie. Et en plus, ça va faire une semaine que j'ai pas fait de zombie. Et c'est ma toute première partie. Je la fais sur une map qui est pas facile. Donc pour apprendre à peu près les bases, c'est pas ce qu'il faut. Bon, là par contre, manche 2, vous embêtez plus avec les zombies. Là, vous les tuez directement parce que sinon. Vous mettez au moins 4 balles dans le torse et puis ils mourront. Là, faut plus les laisser rentrer là, parce que là, maintenant, c'est la survie qui va, entre guillemets, primer. Là, faut plus se compliquer la vie. Tiens, mon cochon. Alors là, ça arrive pas. Là, ça arrive pas. Là, ça va arriver par là, je suis sûr. Non, toujours pas. Par contre, il me faudrait bien un min-max parce que je sens que je vais être à court de munitions et je vais devoir ouvrir avant. Ce qui est pas vraiment bien. Et il me reste 3 balles. Là, ça casse pas. Plus de munitions. Allez, on referme. Je vais faire un max de points. Et là j'ai plus de balles, donc je vais accélérer le processus d'une manche. Au lieu de tout ouvrir à la manche 3, bah, je vais ouvrir tout à la manche 2. Hein. Essayer d'en mettre un maximum. C'est quoi ce clic? Oh, le chargeur est vide. Alors, ouais, c'est le dernier. Ouais, on va le laisser rentrer. Si jamais il peut nous lâcher un truc pas mal. Ouais, c'est le dernier. Allez, allez. Oui, donc je vais profiter de ces vidéos, non pas pour me faire de la pub, parce que c'est pas vraiment dans mon genre, mais plutôt me présenter à ceux qui me connaissent pas. Donc je m'appelle Darksider, donc ce nom n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo, c'est une simple coïncidence. Ouais, super débile. Ça n'a absolument aucune coïncidence. J'avais même créé ce pseudo avant que le 2 sorte, mais j'avais jamais entendu parler du 1 ni du 2. C'est mes collègues de ma team qui m'ont précisé. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais j'aime bien ce pseudo quand même. Donc je vais le garder, je vais pas le changer. Donc moi le but de ma chaîne, c'est de vous proposer des vidéos sur divers types de jeux vidéo, donc que ce soit du FPS ou FPS, jeux d'action, jeux de course, jeux de sport, du FIFA, du rugby. Je propose vraiment un maximum de vidéos pour satisfaire un maximum de monde. Même si je vous le précise, je me sens que vous en doutez, bah, j'ai pas
mes ressources ne sont pas illimitées non plus, donc j'essaye de d'améliorer mon stock de jeux vidéo. Ouais. Attention. On va éviter de se faire contourner. Allez, tiens, prends ça. Je commence déjà à stresser. J'entends du bruit, c'est bon, il en reste assez. Celui-là, on termine. Et toi, mon gars, rampant. J'ai one shot ? Oh purée, j'ai one shot. Je tiens à vous préciser aussi que dans le zombie, tout d'abord il y a une part de chance. On va voir ce que va me donner la boîte magique, mais c'est vraiment à la chance, hein, j'ai envie de dire. Hein. Oh la oh là là. Là déjà ça commence déjà à être pas mal. Là par contre faut que j'ouvre directement là, parce que sinon je vais vite mourir. Hop, vous ouvrez là, vous n'ouvrez surtout pas la dernière porte qui est là-bas. Et vous achetez le fusil à pompe qui est ici, le modèle 1897, voilà. Et vous allez pouvoir faire, tenir quelques manches avec ça. Et après vous pourrez tenter des boîtes en voiture, voilà. Alors... j'espère que le son de ma télé vous dérange pas, parce que vu que j'ai pas de mix-amp ou ce genre de choses... Je dois essayer d'entendre un maximum, parce que si je mets pas de son... c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est fini, mais c'est vachement dur, surtout aux zombies. Quand il n'y a pas de mastodonte, faut faire la moindre erreur. Ah non. Faut pas faire, pardon, la moindre erreur, donc. Allez. Hop. Vous voyez, ça. C'est surpuissant. Ça one shot. Je crois que c'est. Jusqu'à la manche 6 ou 7, c'est one shot. Et regardez la portée, j'arrive à les avoir, mais c'est loin. Pas besoin de se mettre à bout portant. Qu'est-ce que c'est, 1x2, ça va. Il va vite falloir se les faire. Allez, là j'ai foiré, des munitions. Et donc dans le zombie aussi, ce qui vous fait faire le plus de points, c'est pas forcément de tuer un nombre de zombies et ses conséquences. C'est le nombre de balles qui touchent le zombie. Donc vous voyez, je gaspille mes balles de pistolet. Oula, par contre, je crois que je vais mourir. Hop là. On recharge comme tranquillement. On referme les portes, parce que là, faut. Là, comme je vous le dis, c'est la survie. Donc là, faut refermer toutes les portes. Pour avoir le temps de les aligner avant qu'ils arrivent. Alors celui-là, ça devait être le dernier. Là. Et j'ai réussi mon rampant. Ah non, c'est pas le dernier. Tant mieux. On se fait 2 points, plus c'est mieux. Plus c'est mieux. On referme tout. Et puis on va aller tenter quelques boîtes. Ah! Ouh, il m'a fait peur celui-là. Ouh, il m'a fait très très peur. J'ai fait un bond là. J'aurais mis une caméra à côté de moi. Je pense que vous auriez rigolé. J'ai fait un bond pas possible. Attention à pas mourir à cause du rampant. X2, ça c'est bien, ça le x2. Regardez le nombre de points que je me fais. Éviter de se coincer surtout. Alors. Je pense que c'est bon, c'était les derniers. On va tout refermer et là on va faire des boîtes à donf. Je vous conseille pas d'acheter la toute 3 armes parce que. Si vous êtes submergé par les zombies, je pense que 2 armes déjà, si vous arrivez à sortir la deuxième, ça sera déjà pas mal. Donc j'ai pas acheté la toute 3 armes qui coûte en plus 4000, donc c'est pas donné, donc j'ai plutôt préféré faire un maximum de boîtes et essayer d'avoir de la chance sur un pistolet laser ou tout ça. Mais je sais pas si je prendrais le pistolet laser parce que vu que vous avez pas mastodonte, pour ceux qui savent pas, le pistolet laser, si vous tirez d'assez près, il peut vous tuer, vous absorbez des dégâts et donc vous mourrez directement. Donc pistolet laser, je sais pas si je le prendrais. Donc une bonne grosse RPK, ça serait intéressant. Alors on va faire un petit tour avec le zombie. Ouh, c'était moyen. Heureusement que ça one shot pas encore.
Par contre, faut que je me dépêche, il faut que je fasse des boîtes avant qu'il meure parce que après un certain temps, le zombie il disparaît, mais il va réapparaître à une autre porte, mais sauf qu'il sera plus en. Il sera plus en rapport. Une arbalète. Allez, vite, bouge tes fesses. Non, c'est bon, j'ai gardé mon fusil à pompe. Le spectre. On recommence. De toute façon, vous pouvez faire autant de tirages que vous voulez, la boîte ne disparaîtra pas. Donc, allez, vas-y, viens par là. Allez, qu'est-ce qui m'a sorti? Un FAMAS. Bon, c'est pas trop mal. On va tenter une dernière fois. Ouga, 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 ouga. Un piton. C'est parti. Ça, c'est pas besoin. Hop, on reprend le pistolet. Et au cas où, j'ai un FAMAS. Si je dois gérer plusieurs zombies en même temps. Donc moi, je vous dis, restez pas en bas. Parce que vous pourriez vous faire submerger de haut comme en bas. Donc restez plutôt en haut. Et si jamais là vous voyez que ça débandade, vous mettez là où est-ce qu'il y a les grenades. Et vous bougez plus, vous arrosez. Vu que vous n'avez pas ouvert ici, les zombies peuvent vous arriver que d'en face. Allez. Allez. On va recharger. Ah, ils sont loin, hein. On gaspille des munitions là. Ça commence déjà à arriver. Heureusement que j'ai one shot encore. Regardez le monde qu'il y a. Allez, ça a commencé à rentrer. Bon, on va déjà appliquer ma technique maintenant. C'est parti. Hop. On bouge plus. On va éviter de se faire qu'on tourne. J'ai bien fait de me retourner. Ça commence déjà à avoir du peuple. On change, on prend le FAMAS, et là, c'est parti. Hop. Vas-y, recharge. On va refermer la barrière ici. Alors, ça s'est calmé. J'espère que c'est pas le dernier. On va refermer la porte, et on va éviter de se faire coincer. Bon, pour l'instant, je tiens, mais bon... Ouf, il m'a eu super long, il m'a mis un commando, le zombie, là. J'ai bien l'impression que c'est le dernier, et vu qu'il a un bras cassé, si je tente une grenade, je vais le tuer, donc... c'est pas une bonne idée. Hop. Oh, attendez. On va faire comme ça. On va le mettre en rampant, celui-là, et on va buter l'autre. Voilà. Voilà. Là, c'est rechargé. On descend avec le fusil à pompe tranquillement. J'ai même pas tenté de couteau parce qu'il me suffirait qu'il mette une baffe et il pourrait me tuer, je pense. Donc on va plutôt, comme je vous le redis encore, on privilégie la survie. Allez, ferme ta porte. Par ici le pognon. À plusieurs, il y a peut-être moyen de tenir assez longtemps ce que vous pouvez vous sauvez les uns les autres, mais là, c'est quasi impossible de... Enfin, il n'y a pas de quick revive pour revenir à la vie, donc c'est directement où vous mourrez. On va reprendre le FAMAS au cas où j'en ai oublié un. Non, c'est bon. Hop, ça c'est fermé, c'est fermé. Là-bas, est-ce que c'est fermé? Je crois que oui. C'est parti. Alors... Coucou. Manche 6. Je pense que là, j'ai plutôt prendre le FAMAS de loin. Je vais garder le fusil à pompe. Par contre, il va vite falloir que je fasse des boîtes parce que j'ai pu en avoir assez. Allez, petit, petit, petit. Là, ça arrive en masse par ces portes, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, là, il y a l'air d'avoir personne. Ça grimpe pas les escaliers. Vite faire un tour ici. J'ai dû oublier un trou, c'est pas possible, comment ils peuvent être déjà là? Ah, mort instantané. Viens chercher.
toute la vie nucléaire. Là, on se prive pas. J'espère juste que j'ai pas tout tué. Oh mince! Il n'y avait pas beaucoup de zombies dans cette manche, hein. Vite, on enferme un maximum. Et là, je pense que là, ça va arriver dur, là. Allez, vite, referme tout petit peu. Là, je peux pas faire plus, là. Là, on va se mettre directement dans le coin. Et on referme tout, là. J'ai l'impression que ça va pas tarder à arriver, déjà. On va essayer de regarder un petit peu l'escalier. Pas grand monde. Oula! Ouh, FAMAS! Vite, là, maximum de grenades, là, faut se sauver, là. C'est bon, j'ai un rampant, je vais pouvoir me faire des boîtes. C'est bon, on gère. Tranquillement, on stresse pas. Un charpentier. Et je crois que c'était le dernier. Et bah c'était chaud les gens, c'était vraiment très chaud. Là il me faut des boîtes, il me faut un maximum de boîtes. Là le charpentier il m'a un peu aidé. Ah non, 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 là c'est pas bon là. Il me faut des grosses mitrailleuses là. Allez dépêche, dépêche, dépêche. Bon j'ai le temps. Je peux me faire pas mal de boîtes encore mais... Je pense que vous avez vu que même le fusil à pompe maintenant c'est... C'est terminé. Ah là 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 là. Elle est pas généreuse la boîte hein. Franchement, j'ai connu dans un meilleur jour. Hein. Là il y a le rampant. Je pense qu'il n'y a plus de zombies. Allez, 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 vite. Fais-moi des trucs. Allez, goulé 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 là. Je regarde pas. Oh non, mais c'est pas possible, je vais avoir toutes les armes pourries du jeu. Allez, 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 hola, olé. Puis en plus, je vais être obligé de donner mon FAMAS en premier parce que j'ai rien d'autre sinon. Ah, des singes, déjà c'est pas mal. Elle commence à me donner des bons trucs, la coquine. Une commando. Ah, ça commence à faire plaisir. Elle commence à comprendre qui c'est le boss ici. Allez, allez, allez. Non, un couteau balistique, c'est pourri. Allez, il me reste une boîte, une RPK ou une HK. Vas-y, fais-moi plaisir. RPK ou HK. Allez, c'est ma dernière boîte. Je regarde pas. Oh, deuxième couteau, mais elle est sérieuse. Vas-y, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai des singes, au moins je vais pouvoir me sauver un peu plus. Je vais aller chercher des grenades si je peux, mais je crois que j'en ai plus. Combien les grenades? Si, 250, c'est bon. Allez, allez, alignez-vous, alignez-vous, faites-moi plaisir. À côté, ça va pas le faire. C'est bon. J'ai encore le fusil à pompe qui tient bien. C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'un fois deux. On s'en fout. Un commando, vite! Un singe! Ouh, ouh la chance! Munition. Ah!
Ouh, yeah, 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 yeah. Les recharges vite. Ah putain, jouer avec le feu là, c'est le feu là. Vite, les plus importantes. C'est bon, ma commando, elle est rechargée. Et là, je vous dis pas comme je stresse là, mais alors. Ou la petite truc. Un singe encore. Allez. C'est pas le dernier au moins. Non, c'est bon. Lui, c'est le dernier. Faut vite que je me barre. Allez, va-t'en, la mort instantanée. Là, c'est bon. En rampant. Pas intérêt à le louper. Yes! Ah là, je pense que je vais pouvoir tenir, là. Par contre, il va me falloir de la mitrailleuse lourde. Là, par contre, là, c'est plus que nécessaire. Le fusil à pompe, là, 6 cartouches dedans, le chargeur, c'est horrible. Par contre, là, je vais refermer un maximum de ports. Désolé si je vais vous saouler avec, les gens, mais là... C'est bon, allez, allez, referme-toi. Le rampant, il m'a pas contourné. Là, c'est, j'ai eu très très chaud. Heureusement que j'ai les singes. Sans les singes, j'aurais même pas tenu encore. Même si vous avez vu, au moment où j'ai lancé les singes, j'ai quand même un zombie qui est venu me foncer dessus. Allez. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Un python. Je crois. Non, c'est 75 à Kimbo. Bon, la commando, elle est potable encore. C'est peut-être, je suis sûr que ça vous lassez devant votre ordinateur. Vous vous dites, putain, c'est chiant, mais allez, vas-y, passe à la manche suivante. Mais vous vous rendez compte le nombre de points que je me fais. J'ai dû me faire au moins, allez, 2000 points, enfin 1000 points juste en rebâtissant tout ça. Une arbalète, je vais la frapper, cette boîte. C'est bon, tout est fermé. J'ai dû mettre 3 coups de couteau, on va comprendre. 1, 2, 3, 1, 360. Et tu t'ouvres. Une Aukbar. Ah, voilà, on se comprend enfin. S'il y avait une petite mitrailleuse lourde, je pense que je larguerais la commando. C'est quoi? Ah, d'accord, ok. Bon, je vais garder un petit peu pour la prochaine manche. Hein. Là, j'ai de quoi tenir pas mal, là. C'est parti. Par contre, il va vite me falloir des mines, parce que j'ai plus que 2 singes. Bon, là, je pense que je peux tenir. La commando, Aukbar. Je pense que je peux faire une, voire 2 manches, là. Oula, par où il est passé, lui? Ouh, regardez comment ça arrive. Ah, comment il s'aligne. Un singe, vite. Il va falloir de la mitrailleuse lourde là. Un autre singe. Largue ton singe, vite! Ah, je suis deg. Je suis vraiment deg. J'aurais pu tenir s'il avait lâché son singe 10 secondes avant. Ça aurait été parfait, mais bon.
putain, 195 victimes, 26 tirs à la tête. Alors, ça va me redémarrer ou pas? Ouais, ça va me redémarrer. Hop là. Bon, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Jojo, si tu regardes cette vidéo, j'ai fait de mon maximum pour essayer de te donner quelques conseils et tout. J'espère que tu nous referas vite une vidéo là-dessus en tenant compte de ce que l'on t'a dit et peut-être pouvoir t'améliorer, même si c'est vrai que cette map est pas facile. Les gens, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous invite à mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire. Ajoutez la vidéo à favori et faites la tournée. Ça me fera extrêmement plaisir. Je viens d'ouvrir une page sur Facebook, comme ça vous pourrez me suivre. Peut-être pas 24/24, mais vous serez au courant de mes vidéos. Si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à aller voir les autres. J'ai fait 5 ou 6 vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et puis si jamais vous aimez, vous voulez faire. Si mon travail vous plaît, bah, je vous invite à vous abonner. Ou si c'est déjà fait, bah, merci beaucoup. Les gens, je vous dis à plus et bon jeu.